Je ne vais pas tarder, je ne suis pas là pour m'éterniser. Je suis là pour exprimer ma profonde indignation suite à l'agressivité et à l'humiliation de Madame Traoré. Partagez-moi le direct. Partagez-moi le direct. À l'humiliation de Madame Traoré, je ne sais, Fatim Ouacha, responsable de la salle VIP pour passeport diplomatique à l'aéroport international de Conakry. Bessia, partagez-moi le direct. Peut-être ça serait. Je sais que c'est la première fois en Agui directement là-bas. Et sûrement, j'en suis sûr que ça serait la dernière fois. Parce que la prochaine fois, je vais taper plus fort. La solution, Moustama, je taperai plus fort que ça. Partagez-moi le direct. J'attire l'attention du directeur général de l'aéroport international de Conakry, Bessia. J'attire l'attention de toutes les autorités de la Guinée. J'attire l'attention même du président de la République de Guinée. Mara. Bérissé Mara. Buzz Mara. Ouya Mara. J'ai essayé de faire des directs, des vidéos, mais malheureusement, à chaque fois, une vidéo d'Abama, à quelques minutes, à Baradan, j'étais nécessaire de faire un direct parce que ça mérite un direct. Non seulement parce que ma page, elle m'appartient. Et c'est une page professionnelle. Partagez, et une fois de plus, partagez le direct. Désolé vraiment. Désolé, mais il me faut vraiment parler. Je dois parler. Je dois m'exprimer. Je dois donner mon point de vue. La manga, ouais. La manga, ouais. La manga, mon point de vue, Fala. Allô, Wabira, à Colombe, qui en aurait. Pendant tout ce temps-là, j'étais en France, en Europe. C'est la cause, Narama, bien déterminée. Là. Surtout. Tout récemment là. À mon retour, je suis rentré hier. À 22h déjà, j'étais en Guinée. À mon retour, je n'étais pas seul. J'étais avec un ministre. J'étais avec des personnalités. J'ai tissé des bonnes relations avec ces gens-là. De Paris à Conakry, arrivé à l'aéroport, à la sortie, mon minimum, à l'heure nette, vu que j'ai tissé des bonnes relations avec ces gens-là, né dans Guidenaré, j'étais au beau milieu. J'étais au milieu. Ça s'est passé devant une cinquantaine de personnes. Peut-être je vais avoir honte de mentir ici parce que je suis en train de faire une vidéo en direct sur ma page officielle. C'est une page française. C'est comme si la télévision nationale là-bas. À la sortie. Non, ne rêve pas, mini.
je les suis. Je les ai suivis. Et dans Guidenare, désolé, toujours le réseau. Ndangina, et malheureusement pour moi, merde. Malheureusement pour moi, Ndangidenare, j'ai trouvé une dame, Darangali, Madame Traoré. Responsable de la salle VIP pour les passeports diplomatiques. Partagez-moi ce live, partagez la vidéo, partagez le direct pour l'amour du ciel. C'est ma première fois que je fais une vidéo, moi, là-bas. Peut-être, je sais que une femme a répliqué la solution, moi, c'est toi, répliquer, mais ni répliquer, de façon marade. Je vais taper plus fort. La solution, Moustama. Je vais aller plus fort. Je vais cibler le haut. Parce qu'il faut que la solution soit en main. L'aéroport, c'est la vitrine d'un pays. Toutes les personnes qui travaillent à l'aéroport doivent faire preuve d'accueil. Envers tous les voyageurs. Il faut une citoyen guinéenne, il faut une célébrité, il faut une personnalité d'un pays. Partagez-moi ce direct. J'attire l'attention du directeur général de l'aéroport international de Conakry. J'attire l'attention de tout et j'attire l'attention même du président de la République de Guinée. Reste à l'aéroport Walidé, c'est comme barrière à mon aéroport. Non, je suis désolé, mais il faut que je parle. Il me faut vraiment, il faut que je parle. Parce que cette dame, ce n'est ni la première fois, ni la deuxième fois. Abara, il est où du premier? Et ce responsable de la salle VIP pour les passeports diplomatiques. Je ne suis pas affamé de passeports diplomatiques. Hein. Au cas où que Mérira Fala, non, elle est en train d'attirer. Attention. Au cas où Mireille Rafala, elle est en train d'attirer l'attention des gens pour qu'elle ait un passeport. Je ne m'en fous, mais éperdument d'un passeport diplomatique. Moi-même, ma tête est passeport diplomatique, mon nom est passeport diplomatique, ma personne est passeport diplomatique. Je m'en fous, mais éperdument d'un passeport diplomatique. Mais l'aéroport est la vitrine d'un pays. L'aéroport, on n'humilie pas une célébrité dans son pays. J'ai été humilié comme une chienne par cette dame. J'ai été humilié comme une chienne, comme une... Je ne... Ma colonne n'a m'a d'alissé n'a rana. Tellement que cette dame a barra m'a béré. Ma conviction n'a rana. Ma objectif n'a rana. La place que tu occupes là, cette place n'est pas à toi. Ce n'est pas ta place. Tu vas quitter là-bas. Et que les manes, mais d'une façon ou autre, tu vas quitter là-bas. Et moi, j'ai mis banan, t'as ni banan. Madame Traoré. Celle qui était là, la responsable de la salle VIP, hier, le 13 août 2024. Je ne suis pas venu seule. Nous sommes à Paris, c'est pour les Jeux Olympiques. Nous sommes à Ramma, mais rien n'a invité. Personnalité n'a invité. Malheureusement, ça a tourné autrement. Et je suis venu avec. Heureusement que ça s'est passé devant une cinquantaine de personnes. Ça mérite un direct, ça mérite une vidéo. J'ai été comme une chienne dans mon propre pays. Peut-être ce que je suis en train de servir, peut-être, mais je sais quand même que je suis en train d'apporter quelque chose dans ce pays.
Mimi, je ne vais pas couper ce direct. Je ne vais pas couper ce direct. Je ne vais pas couper. Cette dame-là mérite d'être limogée. Il place mon amènera. Fatigue. La connexion me fatigue. L'internet me fatigue. J'ai été humilié comme une chienne. Je ne mérite pas être humilié comme une folle à l'aéroport chez moi. On ne peut pas m'humilier chez moi. Je suis une icône de toute une nation, une icône d'un pays. Et non seulement je n'étais pas seul, j'étais avec un ministre et j'étais avec des personnalités. Ces personnes-là peuvent témoigner. Toutes les personnes qui travaillent à l'aéroport doivent faire preuve d'accueil. Non seulement de courtoisie et de professionnalisme à l'aéroport. Envers tous les voyageurs, il faut naître envers une personnalité. Ça, je vais le dire parce que je suis convaincu que tu n'as pas été à l'école. Tu as été nommé par affinité. Parce que mes rien à l'école, il garangri. Fais le dîner, il m'oulera à rabbiner. Il y a des cas d'exception. Je viens avec des personnalités, avec un ministre. Tout le monde a parlé à cette dame. Elle dit, écoute, un bon malinqué. Il y a des caméras à l'aéroport. Je ne suis pas en train de mentir. Et je vais avoir honte de mentir ici. Elle dit clairement, non, sinon je vais avoir des problèmes à la présidence. Quelle présidence? Tu parles de quelle présidence? Il y a des gens qui sont passés là-bas, qui n'ont pas de passeport diplomatique mon âge. J'ai voyagé avec une artiste en 2022. Excusez-moi, il y a ma soeur qui m'appelle. Mais malheureusement pour elle, il me faut parler. Je ne pouvais pas faire le live là-bas parce que mon éducation ne me permet pas. J'ai pris du temps pour réfléchir. Merde, mais mon téléphone qui... Je vais dire ce que je pense avant qu'il ne s'éteigne. Dites à Madame Traoré, à l'aéroport, il y a un aéroport là. Les célébrités sont ministre de passeport diplomatique, mon ministre est là. Un ministre n'est pas plus qu'une célébrité. Ça, c'est faux. Quiconque dit ça, c'est faux. Un ministre n'est pas plus qu'une célébrité. N'est pas plus qu'une célébrité. Quand on a besoin de lui, de nous, tu dis que tu vas avoir des problèmes à la présidence. Quelle présidence? Il a un artiste qui est là. Quel artiste? Une artiste qui est là. Et présidence. Dans ce régime-là. Je suis là pour ces gens-là. Je me bats. Matin, midi, soir pour ces gens-là. Je leur défends. Je leur soutiens. Je me bats comme une lionne. Je me bats comme un homme. Je prends des coups pour ces gens-là. Je ne mérite pas être humilié comme une chienne dans mon propre pays. Madame Traoré. Tu ne mérites pas cette place. Rémi Bana n'a ni Bamana. Rémi Bana façon de la ni Bamana. Rémi Bana ni Bamana. Quelles que soient les conséquences, tu vas sortir par la plus petite porte de l'aéroport. J'attire l'attention du directeur général de l'aéroport, Monsieur Namouri Kamara. Professionnel là. Voilà l'aéroport à Colombo. Comment ça se doit? Tu n'as pas le droit de venir crier sur moi comme si j'étais un enfant. Comme si je teste ton enfant. J'ai été humilié comme un bébé. J'ai pleuré comme un enfant à l'aéroport hier. Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ça du tout. Fais ribana. Je ne suis pas affamé de passeport diplomatique. J'insiste aussi. Mon passeport est plein de visas. Visa n'y yat. La preuve, on ne rire pas. Pour les Jeux Olympiques, passeport, visa, vu que j'avais le visa, c'est pourquoi j'ai été contacté. Je ne mérite pas être humilié comme un enfant. J'ai été meilleure artiste féminine de ce pays, la Guinée-Conakry. Tu mérites être expulsé de l'aéroport. C'est pas là-bas ta place, parce que tu es très impoli, Madame Traoré. Impoli,
pour barrer à la barre de mon amènera. Hémi enseigne que vous laissez à la barre de mon amènera. Hémi barani bamanera. J'attire l'attention de toutes les personnes. Hémi banan fera baman de la Guinée. Artiste mon akanaba depuis la Guinée n'a pas gagné l'indépendance Tongo. C'est ma première fois de faire. C'est genre une telle vidéo. Et je suis sûr que ça va être la dernière fois. Parce qu'une réplique me sonne, j'y vais aller très fort. Après, les commentaires, ça ne m'intéresse pas. Et moi, c'est la finalité qui compte. Tu vas quitter la place là. Tu ne mérites pas cette place. Tu ne mérites pas cette place. Je ne mérite pas être humilié. Je soutiens ce pouvoir. Je le soutiens. Je les soutiens. Je me bats. Matin, midi, soir pour ces gens-là. Je me bats. Matin, midi, soir pour toutes ces personnalités. Je les chante. Je les grandis. Je fais tout pour le CNRD. Je les grandis. Je fais tout. Je ne fais que chanter. Je prends des coups pour ces gens-là. Tu ne mérites pas cette place. Tu ne mérites pas la place là. Hémi Bala ni Bamanena. Nte Bamana Kuki ni Bamanena. L'aéroport, c'est la vitrine d'un pays. Niba Manena, Rémi Bala, Niba. J'attire l'attention de toutes les autorités de Guinée. J'attire l'attention du directeur général de la douane. J'attire l'attention du directeur du président de la République. Tu ne mérites pas cette place. Tu l'as fait à Oudi Premier. Il t'a toléré. Mais moi, je ne lâcherai pas pris cette histoire. J'ai été meilleur artiste féminine de la Guinée. Je suis une icône de toute une nation. Tu mérites d'être enlevé. Il m'a coupé ma main. Ibana ou bien Ibana. Ibana ou bien derrière un directeur. Ibana ou bien Ibana. C'est ça ma conviction. Quand je vais faire un artiste, je vais faire un artiste. C'est ma première fois. Mais ma deuxième fois, je vais taper très fort. J'ai été humilié comme une chienne. Comme un enfant. Pourtant, il n'est rien, madame la présidente. Je suis en train de soutenir ces gens-là. Je les soutiens. Matin, midi, soir. Une icône ne mérite pas d'être humiliée dans son propre pays comme une chienne. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je ne suis pas affamé de passeport diplomatique. Après, peut-être, ils vont penser que non, Aïraba final, quoi, passe. Je m'en fous, mais éperdument des passeports diplomatiques. Ma tête, c'est un passeport diplomatique. Le nom que j'ai, c'est un passeport diplomatique. Ma personne est un passeport diplomatique. Je m'en fous, mais éperdument d'un passeport diplomatique. Mon objectif, ma conviction, nanana, qu'elle quitte là-bas. Cette place, elle ne mérite pas cette place. Cette place, Madame Traoré, c'est pas sa place. Vous laissez Aïraba de Mouna, aéroport. L'aéroport, c'est la vitrine d'un pays, de toute une nation. Impoli, nous devons la vendre. Miri, mon ami, je ne vais pas me tromper à l'aéroport. Surtout quand tu as vu une icône de ton pays, à Kerembara. J'étais avec des personnalités. Peut-être, c'est ma page officielle, je vais avoir honte de mentir ou de dire quoi que ce soit ici. C'est ma page. Il y a des gens qui vont témoigner. J'en suis sûr. À Singeramouiki. À un comportement d'Ara. Elle a fait à Oudi Premier. Oudi Premier Baralouabe. Mais moi, je ne lâcherai pas. J'insiste et je persiste. Faut que tu quittes. Tu vas sortir par la plus petite porte de l'aéroport. Tu vas quitter là-bas. Habiré du pouvoir. Je ne mérite pas être humilié dans mon propre pays. Où je suis en train de servir comme je suis en train de servir. Je ne mérite pas être humilié comme une chienne dans mon pays. Tu vas quitter ce poste parce que tu ne le mérites pas. Parce que tu es impoli, Madame Traoré. Parce que tu es très mal élevé. Tu es très très mal élevé. Très mal élevé. Je ne mérite pas ça dans mon propre pays. Dans mon pays, tu vas quitter ce poste. Ma conviction, c'est ça. Tu quittes ou tu quittes, mais tu vas quitter ce poste.
Je ne lâcherai pas. Depuis la Guinée, indépendance Togo. Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Nommer des imbéciles. Des imbéciles illettrés. Des imbéciles nommés par affinité. Ça ne marche plus. Des imbéciles nommés par affinité, ça ne marche plus. Des illettrés analphabètes. Analphabètes. C'est toi qui as le kilo du millier des icônes, des personnalités. Je suis venu tranquillement, gentiment et poliment. J'ai voyagé avec des personnalités. J'ai eu de très bonnes relations. J'ai échangé avec ces gens-là. J'ai eu de très bonnes relations avec ces gens-là. Si je savais, en toute sincérité, que passeport diplomatique n'a rien à dire, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Ma problème suis pas là. Je ne suis pas là. Je n'allais pas passer là-bas. Parce que dans ma vie, tout ce que j'évite, c'est la honte. Mouyagi supporte ma. Foule la nantana, foule métis la nantana. Mouyagi supporte ma. Ntanyagi nou ma bere soto ma dede. Moustiga ma meni. Mais je ne le savais pas. Je ne le savais vraiment pas. Amiri barali walide, akanyi bora tantan, tu n'as pas à crier ou à humilier cette personne. Il faut amener gentiment, respectueusement, poliment. Il faut faire ouais à Kanyibé. Il a fait la madame. Il a fait la madame. C'est pas normal. J'allais me retourner. Hamoud Belenou. Mbore artiste, il est ça. Il est ça. Je cherche à être grandir. Il est rabaissé. Mais je ne le savais pas. En entendant tout. Comme je suis venu avec des personnalités, peut-être, Mais je vous dis, cette dame est venue, elle est venue vers moi de façon agressive. Elle est venue dans l'intention de m'agresser, dans l'intention de m'humilier, dans l'intention de me rabaisser, dans l'intention de m'humilier. Il faut que les autorités fassent quelque chose pour moi. Sinon, je vais vous faire battre. Je vais vous faire battre. Excusez-moi. Je vais vous faire battre. Il faut vous faire battre. Je vais vous faire. Ma conviction, nanana. Parce que cette place-là, tu ne le mérites pas. Tu ne la mérites pas. Il y a une place dans laquelle ce n'est pas fait pour des impolis. Madame Traoré, vous êtes très, tu es très impoli, tu es très mal élevé. Et mon gourou, Barénira, mon gourou, hé, ni bana, ni bamana, ifa bamana, kioki, ni bamana, meni. Ifa bamana, kioki, ni bamana, meni. Mkwambi, nou mabere, nan tolere, mani, nana. Metangbe, mi be tolere, ma. Mi be tolere, ma. J'attire l'attention de toutes les autorités de la Guinée. De toutes les autorités de la Guinée. Il faut que cette dame quitte l'aéroport. J'ai appelé Woody. Il m'a confirmé. Elle est très impolie. Elle ne mérite pas. C'est en Guinée que tout le monde crache sur tout le monde. Tout le monde insulte tout le monde. Tout le monde marche sur tout le monde. Je suis une icône de toute une nation. Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas être humilié comme un enfant. Je ne mérite pas être humilié comme une chienne. Je ne mérite pas être humilié comme un bébé. Dis-moi, Mouna, je suis en train de servir cette nation. En direct, arrêtez de m'appeler. Ne m'appelez pas. Miriona Rangeli, arrêtez de m'appeler. La vidéo là, je vais la faire. Arrêtez de m'appeler. Et j'insiste, arrêtez de m'appeler. Ne m'appelez pas. Arrêtez de m'appeler, on a une connexion interrompue. Arrêtez de m'appeler.
arrêtez vraiment de m'appeler. Mriona Rangeli. Mriona Rangeli. Et quelle manière est-ce que Dakar, on te grandit? Et quelle manière est la Guinée? Ici, Mali, on te grandit. Et quelle manière est la Guinée? Ici, Paris, on te grandit. Ça, c'est l'Europe. Et quelle manière est-ce que ici, il y a une chirurgie là-bas. Dès que tu dis au chirurgien que tu es une icône d'un pays, il y a une opération, Pourquoi me rabaisser dans mon propre pays? Pourtant, j'ai servi et je suis en train aussi de faire. Je suis en train de servir ma nation. Je ne mérite pas être humilié comme une chienne. Cette place-là, tu ne la mérites pas. Fibana, Fibana, Madame Traoré Fikelina, ou bien Namori qui est la place. Le directeur national de l'aéroport, tu quittes ou Namori quitte. Tu quittes ou Namori quitte cette place. Tu quittes ou Namori quitte Namori Kamara. Abana ou bien Namori Bana. L'aéroport, c'est la vitrine d'une nation, d'un pays. Tu n'es pas nommé pour montrer aux gens que tu es une lionne. Non. Mais je ne vais pas tromper mon aéroport. Je ne vais pas tromper, Ce que tu as droit, c'est de venir vers moi respectueusement, gentiment, poliment. Mais tu n'as pas le droit d'être agressive envers moi et de m'humilier de la sorte. J'ai été meilleur artiste féminin de la Guinée. Meilleure artiste féminine de toute une nation. Tu n'as pas ce droit. Kémi bana, mi bana, wole seradi. Mfe bama na. Geli kélian na teve mec. Parce que Kémi bana, ni bama nena. D'une façon ou autre. Fon ni bana. Fon ni bana. Ia gina kansa kampani. Tu vas sortir par la plus petite porte de l'aéroport international de Guinée-Conakry-Bessia. Fon ni bana. Ina kammana ki. Je vais. Non. Et puis un bon malinqué, illettré, affamé par, et nommé par une affinité, illettré, analphabète. Il sont sur une falama, il manque une falama, il croit ma langue nationale. C'est là-bas ta place. C'est là-bas tu seras remplacé par un homme idag, igné pour une rambe. Et moi là-bas, où le serradi? Quand mon nom est fan de Mariam Relito de la Falanyanga, m'a dit radi, Rémi Bana. Fibana! Kémi Bana, je suis ma blogueuse nana. Contre ce pouvoir, sur la tombe de mon père. Je ne mérite pas être humiliée. Je ne mérite pas ça. Chez moi, je ne mérite pas ça. L'humiliation que j'ai subie, je ne mérite vraiment pas ça. Je n'appelle ni Paul, ni Pierre. Je n'appelle personne. C'est le direct là qui va appeler, qui va interpeller les gens. Je n'appelle personne. Je ne me plains pas. Et en plus, j'insiste, je persiste. Je ne suis pas affamé de passeport diplomatique. Je ne cherche pas passeport. Si je voulais, j'allais le chercher, j'allais l'avoir. Ça, j'en suis sûr. Mais Rémi Bana, ni Bamanena. M'te Bamana, Koki Bamane Meni. Rémi Bana, ni Bamanena. Madame Traoré Fatim. Madame Traoré Fatim, responsable de la salle VIP pour les passeports diplomatiques. C'est elle qui était là-bas hier, le 13 août 2024. Elle m'a humilié comme une chienne. Elle m'a humilié de la sorte que je tremblais. Je ne l'ai ni insulté, ni frappé. Je ne l'ai ni. Ça fait mon homme à Yabade. Mais fui qu'elle n'a. Tu peux pas m'humilier, non. C'est Oudi premier qui peut lâcher pour lui. Mais moi, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas prise. Non, je ne lâcherai pas. Tu as un très sale comportement, Madame Traoré. Un mauvais comportement. Je sais quand même, j'en suis sûr que M. Namori n'est pas au courant de ce sale comportement que tu as. De ce sale comportement que tu as. Mais tu vas quitter par la plus petite porte de l'aéroport. Cette place, tu ne la mérites pas. On n'humilie pas une icône. Et voilà que nous avons un barrière dans l'aéroport. Ou le CA dans l'aéroport. Barrière à Birim Fatara. Ou le CA à Birim Fatara. Il a personnalité, il a notoriété nue. Il a personnalité, il permet de faire là-bas. Hamara Birim Fatara barrière. Façon dont tu as créé à l'aéroport. Je suis en train de faire pire que toi.
Mais tu vas quitter là-bas. 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 Je ne peux pas grandir ce pouvoir. Matin, midi, soir, je me bats comme une chienne. Je me bats comme une lionne. Je me bats comme un homme. Matin, midi, soir, je chante CNRD. Mon téléphone est éteint. Je vais me débrouiller comme ça. Il m'a béré mal à l'obaré. Khémi bana tant ni bamana. Khémi bana ni bamana. Depuis 2000 combien? Quand je vais avoir des problèmes à la présidence, quelle présidence? Mire moundou nana. La Guinée c'est Tibir Mbardangi Menni. Qu'au passeport diplomatique. J'ai voyagé avec une artiste en 2022. Passeport diplomatique à mon nanaï. Mais Mbardangi Menni. Mais vu que je ne savais pas et je ne cherchais pas, ma fin. Mais si je savais vraiment que passeport diplomatique n'a rien, je ne l'ai pas foutre pied là-bas pour ne pas être humilié. Parce qu'on sera avec Obama, ma dounia la guiricoui, c'est pour ne pas être humilié. Fou les métis n'a pas de yagimou la femme. M'rion n'a yagima, n'a pas de dîner fille mais canima. Mou replique fénam, mou replique fénam, aéroport n'a fait colon. Nafé Colomb. C'est parce que je savais que j'aurais le temps. Je suis allé à l'auto. Je suis allé à l'auto. Mais, voilà. C'est quoi cette histoire? Mon deuxième téléphone a été. Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Ni Luna, Alana Rallou. Ni Luna. M'a dit qu'elle n'a rien à dire. N'a qu'on a gagné rien à TV. Parce que Milou mana, Kéibana ni Bamanena. N'ta ni Bamana. Et papa mana qui est ni Bamanemeni. Kéibana ni Bamanemeni. Je ne suis pas venu pour m'éterniser. Je dis ce que je pense et je quitte. L'aéroport n'est pas fait pour des impolis. Aéroport impoli, t'es si araba de mouna menira. Ou le se araba de mouna menira. Tu es une impolie, tu es très mal éduquée, Madame Traoré. Mais tu n'as pas à venir vers moi de façon agressive pour m'empêcher de passer pour m'humilier comme une chienne. Alors, roi les fouilles, tu seras humilié comme une folle. Ma conviction, tu vas quitter. Tu quitteras. Tu vas quitter. Ou non, on quitte. Tu vas quitter. Parce que cette place, tu ne la mérites pas. Tu m'as humilié comme une folle. Tu m'as humilié comme une chienne hier à l'aéroport. J'étais à terre. J'ai servi cette nation. J'ai servi. Je suis en train de servir ce pays. Je me bats. Surtout ce régime. Je me bats. Matin, midi, soir. Je soutiens ce régime. J'apporte mon soutien. Je les aime. Et je les accepte avec. Je les accepte avec le cœur ouvert. Avec mes. Tu vas quitter. Hemu kelna wole se gadi fi kelna hemu kelna fera ba mal artiste mona ganna ba hemu kelna fera ba mal artiste mona ganna ba fi kelna ma conviction nanana des imbéciles nommés par affinité, des imbéciles approchés par affinité, ça ne marche pas. Imbéciles nommés par affinité, ça ne marche plus. Omerai nommé ces gens, les gens qui méritent. Omerai ces places, les gens qui méritent. Arrêtez de nommer des gens par affinité, des imbéciles nommés par affinité, ça ne marche pas. La Guinée, c'est pour tout un chacun de nous. C'est pour tout le monde. C'est pour tous les Guinéens. Non. Tu vas quitter. Tu seras remplacé par un homme. Je te le dis dès maintenant. Il remplace mon neveu, maman. Allez, passeport, son intang. Mon passeport diplomatique, maman. C'est ma première fois.
Et j'en suis sûr que ce serait ma dernière fois. Moi, là-bas. Mais, c'est une responsabilité, ton goût, madame Traoré. Je vais taper très fort. Là, là, fin de la brioche. Je vais taper très fort. Je vais taper très, très fort. Rémi Bana, je vais taper très fort. Je vais toucher le high level. Rémi Bana. Rémi Bana, je vais taper. Fouille qu'elle est là. Fouille qu'elle est là. La place là, tu ne la mérites pas. Tu n'es pas là-bas pour humilier quelqu'un. N'importe quel sujet, quel citoyen. Tu n'es pas là-bas pour. On m'appelle. Tu n'es pas là-bas pour humilier quelqu'un. Tu n'es pas là-bas pour rabaisser quelqu'un. Tu n'es pas là-bas pour insulter qui que ce soit. Tu vas quitter. Tu vas quitter. Je demande à ce que tu vas quitter. Tu vas quitter. Tu quittes ou tu quittes, mais tu vas quitter. Tu quittes ou tu quittes, mais tu vas quitter. Il faut que tu quittes. Il faut que tu quittes. Tu vas quitter. Je ne mérite pas d'être humilié. Tu ne mérites pas. Je ne mérite pas d'être humilié comme un enfant. Je ne mérite pas d'être humilié comme une chienne. Je ne mérite pas d'être humilié comme un bébé. Tu vas quitter. C'est ça ma conviction. Et tu vas quitter. Et à Rabade, où est-ce à Rabade mon aéroport là? Bah, à Rabade mon menira. Si tu es là-bas, c'est pour que il ira pays sauvé. Il ira chef sauvé. Excusez-moi, les gens m'appellent. Mais tu vas quitter. Tu vas quitter. Hein, Moukelna, Nde Iba Manena. Kande Mibana. Mfera Bamane Rebamana. Igundina Flama. Il faut que je quitte. Mais tu vas quitter. Tu vas quitter. Il faut qu'on t'enlève. Tu ne mérites pas cette place. Tu ne mérites pas du tout. Tu ne mérites pas cette place. Tu ne mérites pas. Impoli, tu démoules à l'aéroport. Tu es très impoli, madame Traoré. Tu vas quitter. Je demande à ce qu'on te limoge. Ira limoger, que tu sois expulsé comme une chienne à l'aéroport. Je suis une icône de nation. J'ai reçu le trophée de la meilleure artiste féminine de la Guinée. Je ne mérite pas ça dans mon propre pays. Je ne mérite pas ça du tout. Je ne mérite pas ça du tout. Le régime qui est là, je le supporte. Je le supporte. Je le soutiens. Je fais tout. Je me bats comme un homme pour ces gens-là. Je me bats matin, midi, soir. Je prends des coups pour ces gens-là. Je fais tout pour ces gens-là. Je les accepte. Ils sont dans mon cœur. Je ne mérite pas être humilié. Non, pas du tout. Tu vas quitter. Tu vas quitter. Il faut que tu quittes. Il faut que tu quittes. Je ne lâcherai pas prise. Hemi bana ni ba manena. Hemi bana ni ba manena. Ni ba manena. Je ne mérite pas être humilié. Je ne mérite pas être rabaissé. Je ne mérite pas être piétiné dans mon pays. Je ne mérite pas ça. J'attire l'attention du président de la République. J'attire l'attention du directeur national de l'aéroport. J'attire l'attention du directeur national de l'aéroport. Mais je ne mérite pas. J'attire l'attention de toutes les autorités qui t'ont envoyé à l'aéroport. Mais je ne mérite pas. Mon mouchoir. Je ne le mérite pas. Pas du tout. Fikelna. Ma mère, maman, Thomas. Fikelna. Hemoukelna. Khémi bana, n'tan ni bamana. Khémi bana, n'tan ni bamana. Ni bamana, menni. Cette place, tu ne le mérites pas. Tu ne la mérites pas. Tu ne mérites pas cette place. Fibana. Fibana, mame, mama, toma. Kemi bana, m'tera bamana, e gundi bamana. M'tera bamana, ganiama, je vais faire 6 mois en prison. Hamara bangadou li beli. Rima belalo nyangamadi. Imirima belalo wole seradi. Imirima bere, comme si, voilà, comme si c'est la fin du monde. Imirima bere. Imirima bere. Allo, iradi. Imiri Mabere, comme si c'était la fin du monde. Imiri Mabere, allez ma canicolon. Imiri Mabere, comme si c'était la fin du monde. Il ne marche plus.
Nommer des gens par affinité, ça ne marche plus. Vous ne foutez que de la merde à l'aéroport. C'est de la merde. C'est de la merde. Vous ne foutez rien là-bas. Faut bander, mais il faut réclamer des miettes avec des gens. Réclamer des miettes avec des gens. En arabe, mon miette, c'est ira. Ira, ira, barter fouluna quand il y a. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Non, vous laissez à la rende cabardin. Amoulama. Et n'a pas la lama. N'a pas la laissez à la main. Nous sommes tous des... Moi, je n'ai pas peur de la mort, ça c'est un. Je n'ai pas peur de la prison. Je n'ai pas, j'insiste, je n'ai pas peur de la mort, je n'ai pas peur de la prison. Parce que nous sommes dans la prison. Je m'en fous, mais éperdument. Mbaba a été quand même dans mon ira. Donc, je suis préparé pour ça. Je suis préparé, je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien, mais je, en tant qu'une icône, en tant qu'une célébrité de la Guinée, je ne mérite pas être humiliée comme une chienne. J'insiste et je persiste. Il faut que Mme Traoré soit limogée de l'aéroport international de Guinée-Conakry. Tu vas être limogée. Je suis limogée, je suis limogée, mon ami. Je suis limogée, je suis limogée, je suis limogée, je suis limogée, je suis limogée. Je suis limogée, je suis limogée, je suis limogée, je suis limogée, je suis limogée. Amoulou m'a fait. Na wole se ana kan der khida. Na bare ana kan der khida aéroport. Ina célébrité to. Ibrahim la koudi da. J'ai appelé koudi aujourd'hui. Il m'a confirmé. Ina kan i wole se der bare ana kan na. Amou ila mantan. Pourta wole se mi re dangi mamenni. Passeport diplomatique munane ke ira. E me menena kan gali na sa tableau ma. Isa kan na mamenni. Kaga directeur siga kan na mamenni. Asika kana na mameni kana muri nome kana na mameni na muri nome kana na mameni tata sika kana na mameni. Il y a des gens qui passent là-bas ou à pied dans qui mameni. Pourquoi pas moi? Au réel fala man ntana ka dans qui mameni. Pourquoi pas venir vers moi poliment et gentiment? Les commentaires je m'en fous, mais éperdument après les conséquences c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Moi, c'est la finalité qui compte. Tu vas quitter et tu vas quitter. Tu vas quitter et tu quitteras. Tu vas quitter, c'est tout ce que je demande. Que tu quittes ce poste parce que tu ne le mérites pas. Tu quittes. Tu quittes ce poste parce que tu ne la mérites pas. Ira poste Mara. Ira poste Mara, tu es une impolie de high level. Voilà, c'est Dieu qui t'a sauvé. J'ai fermé la porte. À l'animali, je n'ai pas activé le côté jaguar hier à l'aéroport. J'ai pensé à ma célébrité. J'ai pensé à mon statut. J'ai mis la balle à terre. Je n'ai pas parlé. Je n'ai rien dit. Les gens sont témoins. Je vous dis que ça s'est passé devant une cinquantaine de personnes. Je n'ai rien dit. J'ai mis la balle à terre. Je suis sorti. Je me suis retourné. Ni luna vena amma na vegolo ni luna mutin kole kole ka te aéroport parce que c'est moi la jaguar mutin parce que je savais que j'ai ma solution, je sais comment régler ça. Ah non, ma célébrité mudangi, ma passeport diplomatique est dangi. Quel passeport diplomatique? Tu parles de quoi? Tu parles de quel passeport? Mais vraiment, quel passeport diplomatique? Quel passeport? Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Quand des problèmes zéro, un bon illettré, un alphabète que tu es. Quand des problèmes, des problèmes zéro, toi et bon, pas un problème sous toi. Il est où ton problème sous toi, Sorona? Pas et bon, faille, quel est le lagouroukouna? Problème sous toi. Qui va te sanctionner parce que Yamasega est passé là-bas? Qui? Montre-moi cette personne. Qui? Iba manena. Hé, moubana. Nagan na ton dira pana. Soa manu nagan. An soa manu nagan tagi. Imma bere nagan dire. Nana ma bere malo bari. Nana ma bere malo gole fui. Tu vas quitter. Tu vas quitter ou namore quitte ou nagan ba ou bien nagan namore gane nga na quitte.
tu vas quitter. C'est ça ma conviction. Je ne peux pas me mettre à grandir des gens, à respecter des gens, à chanter des gens, à les supporter matin, midi, soir. Et je sois humilié comme une mounoma. Il faut que tu quittes. Il faut que tu quittes. Il faut que tu quittes. Et tu vas quitter. Ma chérie, tu vas quitter. Tu vas quitter. Fui bana. Parce que tu es une impolie de high level. Tu es une impolie de high. Il est boy. Aéroport, où lui a qu'à dire à l'aéroport qu'on l'a dit. Où lui a qu'à dire à l'aéroport qu'on a. Moi aussi, tu es d'une heure qu'on a même affilié à l'aéroport là. Il est mérité. Il va raffili. Il va ramo barafili. Ou bien, il faut barafili. Ou bien. Là-haut, non. Bébé Baya, non. Non, je ne réponds aucun appel, non. Non, je ne réponds pas. Je ne réponds pas d'appel. Je dirai ce que je pense. Et cette dame, Madame Traoré, sera limogée. Nama limogée, ne la limogée, ta façon de là. Faille limogée-le. Faille Woulia Membila. Faille Woulosoya Membila, aéroport là. Il dit Woulia Membila, net. J'insiste, je persiste. Moi, je suis 50 000 fois plus impoli que toi. Je suis 1 million fois plus impoli que toi. Je t'ai laissé hier parce que. Mais tu l'as fait de façon très impolie. Je suis impoli 50 000 fois plus que toi. Mérite-moi, c'est tout quoi là qui parle. T'as ma barrière et les vénères. Mais une statue de lit. Il m'y est à ma tombe barrière. Mais rien à faire là. Je ne laisserai pas. Tu vas quitter. Peut-être, j'en suis sûr que ce serait ma dernière vidéo, ça serait mon dernier live. Mais Rémi Bana, tu vas quitter. Tu vas quitter net. Non. Tu vas quitter là-bas par. Tu vas sortir là-bas par la plus petite porte. Mon amour est grandidé. Matin, midi, soir, je risque. Je risque ma carrière. Je risque tout. Je suis là à grandir. Il n'y a rien à qui. Il n'y a pas de problème sur la présidence là. Présidence Goma. Quelle présidence? Je ne me ridiculise même pas. Ça, c'est mon travail. Je suis en train de le faire. Je ne me ridiculise. Non. Non. Namori. La dame-là ne mérite pas cette place. La dame-là ne mérite pas cette place. Namori, la dame-là ne mérite pas cette place. La dame-là ne mérite pas cette place. Ne lâche pas. Namori, la dame là ne mérite pas cette place. La dame là ne mérite pas cette place. La dame là ne mérite pas cette place. Je suis en train de faire mon travail. Quand ça ne va pas, c'est l'artiste qui parle. Parce que ministre Narenu, Imaratima. Pourtant, ce que vous ne savez pas, le deuxième pouvoir, c'est les artistes. Le deuxième pouvoir, c'est les artistes. C'est pourquoi je m'en fous, mais éperdument de certaines personnes, de certaines personnalités en Guinée. Je m'en fous. Le réseau me fatigue. Je ne prends pas son contact.
je ne ferai rien. Le live va tout régler. Le live là va tout régler. Elle ne mérite pas la place là. Khémi bana ne retire na so manou ne nantagi. J'insiste et je persiste. Khémi bana iba. Khémi bana ne retire na so manou nantagi. Khémi bana, cette place tu ne la mérites pas. Baleni la wole seni la. Khémi bana ne retire na a so manou nantagi. Moi, je suis plus qu'une inspectrice générale. Et Mamadou m'a appelé, Mamadoué. Ça ne marche pas. Kémi Bana, n'a pas responsabilité et sourire. N'a pas responsabilité ou les dards et sourire. Il est très analphabète, tu ne peux même pas dire bonjour. Il est très, tu n'es pas allé à l'école. Une analphabète comme toi, une analphabète. Manikero, il fallait mon aéroport, n'a pas. Il t'a rentré, Khémi Bana, n'a pas été rien à son manou nantagi. Après moi, les commentaires négatifs ne m'intéressent point. Je le dis, hein, ça ne m'intéresse point. Je ne vais pas lire les commentaires, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est la finalité qui compte. Mon objectif, c'est mon objectif, ma conviction, c'est ce qui compte. Les commentaires après, les directs, les lives, non, ça m'intéresse pas. C'est tout. Ça ne m'intéresse pas. La place là, tu vas quitter. La place là, tu vas quitter. Tu vas quitter net. Si tu ne quittes, quand je niche le chien, tu vas quitter. Tu vas quitter où? Tu vas quitter, mais tu quitteras. Tu vas quitter. À bon entendeur, salut. Partagez et commentez le live. Chacun est libre de donner son point de vue. Chacun est libre de donner son opinion. Chacun est libre d'écrire ce qu'il veut. Hein? Voilà. Merci. Je vais répliquer, mais peut-être. Rémi Bana, répliquer, mais autrement. J'insiste. Peut-être ce sera ma dernière fois de faire une vidéo. En live comme ça. Mais ni répliquer, mais ni bing. La guerre n'a pas été. Nekbin, tenant minima, tenant à moi le moumini, nan minima. Nekbin, nan bamana. Parce que binan yana rena qui tu es nommé par affinité. Ça, c'est pas ta place. Il est très analphabète. C'est pas ta place. C'est pas ta place. C'est vraiment pas ta place. Si Oudi a laissé pour lui, moi je ne lâcherai pas. Et je ne lâcherai pas. Kémi bana, j'insiste, moi je vais t'enlever là-bas. Il va bamana qui me va manamini. À bon entendeur, salut. Imbana, Imbana, Tani Bamanena. Et artiste n'a pas de fantôme. Il m'a réutilisé. Il m'a grandifié. Matin, midi, soir. Quand je vais avoir problème à la présidence, tu parles de quelle présidence? Quelle présidence? Tu parles de quelle présidence? Avant d'amener des problèmes, quelle présidence? Rémundo Mbaradangina. Passeport diplomatique, mon ami, Rémundo. Je suis là. Je peux dire que je suis la seule artiste qui se bat comme un homme pour ce régime. J'en suis fier. Hein? C'est une conviction pour moi. Peut-être j'ai tort. Peut-être je vais le regretter. Mais c'est ma conviction. C'est ma passion. C'est ma conviction et c'est ma passion. Du coup, je ne mérite pas être humilié. Non, mais pas du tout. Pas du tout. Tu mérites être limogé comme une chienne à l'aéroport. Et tu seras limogé. Ça, c'est clair. Ton directeur, il me suit. Il va voir. Toutes ces autorités-là me suivent. Ils vont voir. J'assume. Je l'assume. C'est moi qui dis. J'insiste et je persiste. Kémi bana, ntan ni bamana, ifa bamana kyoki.